Il va sport 6-9 la matinale. Matin sport. Sport. Avec Ali Hamouche ce matin. Bonjour Ali. Bonjour Soraya. On entame ce matasport avec du football. La sélection nationale peaufine sa préparation en prévision de ces deux matchs amicaux. La sélection algérienne de football se trouve depuis hier à Constantine en prévision des deux matchs amicaux contre le Cap-Vert prévus demain à 20h. D'ailleurs, les coéquipiers de Riyad Mahez ont effectué hier en, en fin de journée leur première pardon, séance d'entraînement au stade Himlaoui. La séance d'entraînement a été précédée par une zone mixte durant laquelle des joueurs se sont présentés devant la presse, notamment les deux nouveaux arrivés, en l'occurrence Bachir Bloumi, le fils de l'ex-international algérien Lakhdar Bloumi et Amin Gwiri. Justement, on va écouter ce dernier sur sa première convocation en équipe nationale et ses objectifs. Beaucoup de fierté et j'étais très content de venir ici. J'ai hâte de, de, de commencer l'aventure avec l'équipe nationale. Franchement j'ai été très bien accueilli et je pense que ça va continuer comme ça. Après j'ai des objectifs en club, après l'équipe nationale c'est d'emmener l'équipe le plus haut possible, là et de, et de l'aider à remporter des titres. Pas de pression, tranquille, je vais, je vais jouer comme d'habitude, je vais être comme d'habitude et Inch'Allah ça va le faire. Ouais, envie de, de commencer, après le coach il verra par rapport au temps de jeu, mais dès qu'il fait appel à moi je vais, je vais jouer, je vais, donner, je vais tout donner pour, pour ce maillot. Je peux jouer n'importe où en attaque, donc là où il fera appel à moi, je, je serai là. C'était donc euh, l'attaquant de l'équipe nationale, Amin Guiri. Hier, le groupe a été complété par l'arrivée de Islam Slimani, donc, qui a rejoint Constantine en provenance du Brésil où il évolue au sein du club de Coritiba. Et ce un joueur pourrait euh, rater ce stage soirée. Il s'agit euh, du joueur de Wolverhampton. Eight Nouri Ryan, qui souffre d'une blessure. Donc on attend, euh, le staff technique, euh, plutôt le staff médical de l'équipe nationale, attend d'être fixé sur la nature exacte de sa blessure. Et on rappellera qu'outre le match face au Cap-Vert, les Verts affronteront l'Égypte également en amical et ça sera le 16 octobre à 17h plus précisément aux Émirats arabes unis. En lieu de établissement rétablissement football toujours la démission de l'entraîneur de l'USM Alger Abdelhak Benchir, rejetée. Le feuilleton autour de la démission de Abdelhaq Ben Benchira se poursuit. Dernier épisode en date est la décision du conseil d'administration de l'USM Alger de rejeter la démission de l'entraîneur Abdelhak Benchira. C'est ce qu'a indiqué le président du club, Sid Ahmed Arab. J'ai pris contact avec le PDG de Serpor, M. Harkati. Je l'ai informé de cette demande d'émission et à partir de là, on a décidé de lui rendre visite le DAR. On lui a demandé les raisons de sa démission. Les raisons qu'il nous a données, qu que je ne peux plus supporter les insultes d'une certaine frange de supporters à travers les réseaux. Euh, après tout le parcours leader mal l'USMA, après cela, la démission est rejetée. Donc, ce qui revient à de meilleurs sentiments. C'était le président de l'USM, Jessid Ahmed d'Arab, mais aux dernières nouvelles, Abdelhak Sheikha compte sur sa décision de partir, à moins d'un retournement de dernière minute. 7h25, un autre entraîneur de ligue a décidé de jeter l'éponge. C'est une véritable cascade de départ d'entraîneurs à laquelle nous assistons en ce début de saison. Alors que nous ne sommes qu'à la quatrième journée du championnat de Ligue 1, c'est du jamais vu, peut-être dans l'histoire du football algérien du championnat de première division. Hier, un autre technicien a annoncé sa démission. Il s'agit de l'entraîneur de l'Étoile sportive de Ben Aknoun, Abdennour Boussbia. Une démission qui était un petit peu dans l'air après les trois défaites concédées par Ben Aknoun en quatre matchs disputés. Ben Aknoun qui ne compte seul point récolté donc en quatre matchs ils sont donc désormais 11 entraîneurs à avoir quitté leur poste jusqu'à maintenant certains l'ont fait avant même l'entame de la saison, à l'instar de Moïse euh, Bouakas du Mouloudia, Doran, qui avait quitté le Parado Athletic Club, Abdelkader Amrani et d'autres ont suivi, euh, on va dire, ont pris le train en marche, ils ont quitté leur poste après l'entame de la saison, la saison pardon, euh, à l'image d'Abdelkader Ben-Shiikha, Abdelkader Amrani, Liamine Bourrara, Youssef Bouzidi, Abdel -Nour Hamisi, Abdelkader Yaïch et Van Der Broek. Eh bien, Ali, on terminera avec le chiffre du jour 65 millions d'euros. 65 millions d'euros, c'est le montant de la fortune de l'international belge Eden Hazard. Cette somme englobe ses salaires, ses primes, ses revenus publicitaires et ses investissements. Pourquoi on parle de ce joueur plus précisément d'Eden Hazard Parce que tout simplement, le joueur a décidé de mettre fin hier à sa carrière, alors qu'il n'a que 32 ans. En 2019, on rappellera qu'Eden Hazard avait rejoint le Real Madrid dans un transfert retentissant en provenance de Chelsea d'une valeur de 130 millions de livres sterling, ce qui a fait le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid à l'époque. Au Real Madrid, Hazard a bénéficié de l'un des salaires les plus élevés du monde du football. Son contrat initial prévoyait un engagement de 5 ans avec une rémunération annuelle de près de 30. 30 millions d'euros bruts. Ces émoluments lui ont permis d'amasser donc cette fortune, 65 millions d'euros. Donc euh, il faut rappeler aussi qu'Edenazar, outre ses gains sur le plan sportif, il a également profité des contrats de sponsoring lucratifs avec les plus grandes marques mondiales. Cela a été euh, révélé hier par le média Sunday Times dans sa riche liste de 2023.